Monsieur Attelhatch, vous n'avez pas donné suite aux différentes relances de mon étude. La préfecture nous autorise à avoir recours à la force publique pour recouvrir vos dettes. Calmez-vous. Ouvrez cette porte! On peut pas faire ça à clé. Tu sais ce qu'on risque? Au niveau du GIGN, on en est où? Sur 6 départements, ils ont 14 sites en niveau rouge et 9 en niveau orange. Et nous, on est? Jaune. On ne se rend pas compte. Voilà ce qu'on va faire. On va s'asseoir tous les trois tranquillement à cette table. Tu restes debout, lève-toi, putain! On va pas s'asseoir à cette table. Bon, écoutez, si vous n'ouvrez pas tout de suite, on va être obligé d'envoyer le GIGN. T'as qu'à envoyer le raid, le FBI et ta mère avec eux, fils de pute. Est-ce qu'on a une idée de la quantité d'étrosis dont ils disposent? Dites que vous n'êtes pas des terroristes ou ça risque de passer au niveau orange et là je ne comprends plus de rien. On n'est pas des terroristes. Je vois pas la raison pour laquelle vous me retenez en otage. Si je comprenais, je pourrais peut-être vous aider. Ça fait des années que je vous dis d'arrêter ce métier. Ça devait finir par arriver. Je me suis pas présenté, pardon. Olivier Grandpierre, je suis votre négociateur. Vous avez complètement pété les plombs. Et le négociateur, il faut que ce soit un arabe. Mais vous, vous prenez un type avec une gueule à revenir des croisades. Un arabe, mais ça ne sert à rien de nous mal, ce bébé. Qu'est-ce qu'il a dit? Je sais pas, je parle pas kabyle, moi. Je crois qu'on est en train de glisser au niveau rouge. On fait tout notre possible. Tout le monde fait son possible ici. On peut plus attendre. Ici, la haine du képi est plus forte que la peur du gendarme. Vous savez combien de personnes sont mobilisées ici? Vous savez combien elle va coûter la libération d'un huissier dont même la femme ne veut plus? Ils sont derrière vous? Bon bah c'est bon, bah tuez-le! Tuez-le! Ah putain, ça fait du bien. Je vous jure sur la tête de ma mère que je l'ai pas éduqué comme ça. C'est la chouma de la famille.